terrifiant, Éloi prit place à côté d'elle. « Je m'appelle Sally-Sophie, » commença la jeune femme. « Je sais, c'est un nom ridicule. Tu ne peux pas savoir comme j'en ai bavé. » À l'école, on m'appelait Sally-Sophie et je passais mon temps à baffer ces idiots. Évidemment, ce n'est pas le top pour se faire des potes. Mais nous, les sorcières, on s'en fiche. Parce que les copains, on peut s'en fabriquer. Il n'y a rien de mieux qu'un crapaud pustuleux ou un rat hilarant pour passer de bons moments. Éloi s'imaginait mal jouer au football avec une boule de crapaud. Lundi. C'est ça. Allez-y, pendez-moi. J'ai tué un oiseau. C'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin, à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine falter l'une et à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire quand une petite boule de plume se jette dans ma gueule? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord, je vais donner un petit coup de patte. Est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'Élie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffer. D'autres fois, c'est parce que j'ai des tas de choses très importantes à faire. Par exemple, voilà ce que j'ai fait ce matin. Jour de la rentrée, je me suis réveillée. J'ai écouté de la musique, j'ai joué de la guitare. Je suis sortie de mon lit en roulé-boulé doucement. J'ai cherché mes chaussettes, j'ai joué encore de la guitare. J'ai pris conscience que je n'avais pas fait mes lectures de vacances obligatoires. Panique! J'ai trouvé une bonne excuse pour n'avoir pas fait mes devoirs. Ouf! J'ai embêté ma sœur Delia, ce qui, je le reconnais, a occupé un gros bout de ce début de matinée. Mais je ne regrette pas. J'ai caché ses lunettes et j'ai pris une BD pour lire aux toilettes, pendant qu'elle attendait devant. Comment on crie? Tom, tu es en retard à l'école!